Ça fait du bien de pouvoir retourner sur des bons jeux pour une fois. Ça fait 3 let's play que je fais des jeux très questionnables, donc je me permets ça s'il vous plaît. Bonjour à tous, ici Viper et nous allons jouer à Pokémon Colosseum sur GameCube. Je joue toujours sur la console d'origine, même si là, ma manette GameCube en a pris un coup sur le stick. Heureusement, le jeu peut se jouer à la croix directionnelle, donc je n'aurai aucun souci à ce moment-là. Ouh ! Je me considère pas réellement comme un fan de Pokémon. Baissez les armes, s'il vous plaît. Mais... alors, comment expliquer ça? Je ne suis pas fan des jeux Pokémon principaux, on va dire. Je préfère quand les jeux Pokémon tentent un tout petit peu de se diversifier, même avec le gameplay de la série principale. Parce que... bon, j'ai fait la Gen 1, Gen 2, Gen 4, Gen 6 pour ce qui est des Pokémon principaux. À partir de la Gen 4, je me suis dit, hey, le gameplay a un brin évolué, mais la quête en elle-même, c'est toujours la même. Genre, ils ajoutent tout le temps ces petites subtilités au système de combat des jeux Pokémon, mais malgré ça, j'ai toujours l'impression de jouer au même jeu. C'est toujours la même formule, à part peut-être la 5ème génération, mais j'ai pas eu la chance d'y jouer. Et moi, je ne suis pas un joueur, contrairement, bon, à la plupart des fans Pokémon qui peut-être regarderont cette vidéo, je sais pas, je ne suis pas... un joueur compétitif pour ce qui est des RPG. Je joue plutôt pour ce qui est, l'expérience solo. Donc ce qui explique pourquoi j'ai été vraiment déçu, entre autres, par Pokémon X et Pearl. Mais sinon, en eux-mêmes, les jeux, les jeux sont bien pour ceux qui aiment. Moi, j'aimais bien avant, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, éventuellement, j'en ai marre, on va dire. Encore une fois, les subtilités de gameplay sont pas les mêmes, mais c'est pas un truc un hérétique de mon genre pourrait apercevoir. Bon, nous allons commencer une nouvelle partie. J'ai déjà fini ce jeu, mais c'était il y a très longtemps. En fait, je dis que je retourne sur un bon jeu, mais ça fait des plombes que je n'ai pas joué à Colosseum. D'ailleurs, je l'ai commandé il y a à peine 3 jours parce que j'avais pas réellement le jeu, c'était un pote qui me l'avait prêté. Un pote, et il m'a toujours pas rendu Sonic Heroes au passage. Mais il est parti donc je ne le récupérerai jamais. Bon, je choisis Viper au lieu de Vic. Parce que, on va dire ça. Quand je vais faire un personnage, un avatar entre guillemets, Vic ce sera le côté conciliant et Viper ce sera le côté pragmatique. Pour ceux qui connaissent. Ouais, appréciez bien ces Pokémon dans la nature, parce que vous n'allez pas en capturer un seul dans ce jeu. On commence sur du Michael Bay et un plat de fruits de mer. Oh mon dieu, j'adore les homards. Mais on n'est pas là pour manger du homard, on est là pour prendre, pour voler dans cette base. Et c'est notre Noctali qui a réussi à faire cette explosion. Eh bien... quand une licence Nintendo se transforme en Michael Bay. Continue de courir. Putain, en fait non, c'était pas Noctali, c'est vraiment le type qui a tout fait exploser. Vous êtes sûr qu'on est bien sur un jeu Nintendo? Ah oui, effectivement, c'est bien un jeu Nintendo. Enfin, le jeu est fait par Genius Sonority, c'est pas un jeu qui est fait par Game Freak, donc, ouais. Je sais pas si Genius Sonority avait fait les Stadium, mais je sais qu'ils ont fait Battle Revolution, qui n'est vraiment pas terrible. En fait, c'est juste que des combats à la suite, et c'est vraiment la transition de Pokémon. En fait, l'intérêt de Battle Revolution, en gros, vraiment, le gros intérêt de Battle Revolution, c'est de jouer en ligne avec vos Pokémon de 4ème génération. Surtout en 3D. C'est tout. C'est vraiment le gros intérêt. Et c'est ça que je n'aime pas, trop dans les Pokémon nouveaux, c'est qu'ils tentent de... ils tentent d'embellir le online, mais pas spécialement l'aspect solo. Même si, bon, j'ai pas eu beaucoup de chance, apparemment, Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 seraient très bien. Sur ce point-là, et j'ai pas eu la chance de les faire. Il y a quelque chose qui gigote dans le sac, mais on va pas vérifier. On va d'abord aller voir ces petites racailles, et on sait que ce sont des racailles parce qu'il y en a un qui a les cheveux verts.
Ils ont un job, ça m'étonnerait. Un gros gibier. Donc ce sera notre Team Rocket. Y a probablement un Pokémon dedans, mais on s'en fiche là, hey. On est pragmatique, on va laisser passer ça. Ouais. Y'avait quoi derrière moi? Oh, je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande... Bon, de toute façon, le personnage est... Le personnage est muet. Donc, ça sert à rien que je fasse un petit doublage, un petit... Une petite voix pour le personnage, parce que... C'est juste pas canonique. J'aurais fait une voix à la Shadow the Hedgehog, mais en réalité, non. Alors... Bon, comme pour mes autres jeux, je vais partir du principe que vous savez lire. Et je vais juste laisser passer pendant 10 secondes. Donc l'équipe s'appelle la Team Snatch cette fois-ci. Un mandat d'arrêt? Ben vous êtes pas très efficace! Ah, d'accord. Mais vous êtes quand même pas très efficace non plus. Ouais, effectivement, le jeu n'a pas très bien vieilli. Pour un jeu de 2004, c'est quand même moche. Par ailleurs, les Pokémon en eux-mêmes sortent. C'est des modèles de la... C'est des modèles de Stadium, donc c'est des... C'est des modèles de la N64 qui ont été retexturés pour le coup. Mais c'est vraiment... Les Pokémon en eux-mêmes sortent de la N64, à part les nouveaux, j'imagine. Parce que il n'y avait pas la Gen 3 dans Stadium 2. Ouais, bah tu te feras exploser par ta femme qui est juste devant toi. Ah non, mais non! Ça m'apprendra à mâcher le bouton, hein. Bon, moi j'ai pas tellement trop de raisons de dire ça parce que, bon, je suis mis dans le jeu direct et au final je ne sais pas les... Je ne connais pas les réelles intentions de cette Team Snatch, même si je pense que ça a un rapport avec le vol de Pokémon. D'accord, on n'aura pas de combat Pokémon, c'est ça? Eh bien, partons d'ici. Ah bah d'accord. Eh bien, nous allons faire un combat avec toi, mon cher Billy. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi le développeur derrière ce jeu s'appelle Genius Sonority. J'entends cette musique! Et il y a une raison pour laquelle ces deux Pokémon font partie de mes préférés, c'est parce que, équipe dans ce jeu. La plupart des combats ici seront des 2v2, ou pratiquement la totalité. Alors je ne sais plus les attaques, ça va être un petit problème, mais je sais que morsure, ça sera quelque chose. Allez! Bouffe-moi ce Pokémon! Et je sais que les... Bon, le type psy, bon, c'était abusé dans la génération 1, mais... Peut-être plus dans la génération 3, je ne sais plus. Oui, bon, d'ailleurs, ce jeu... se base sur la génération 3. Donc, pour tout ce qui est coups spéciaux, c'est les attaques élémentales, dragon, psy et... Ténèbres, si je m'en souviens bien. Il n'y a pas des attaques spécifiquement physiques ou spéciales. Non, c'est basé sur le type. Ce qui fait chier, c'est que dans XD, on n'entend que une seule fois cette musique. Ah! Ouais, c'est clair, tu t'es fait one shot! Notre Viper est réellement très expérimenté dès le départ. D'ailleurs, le logo de Genius Sonority, c'est ça. Mais je le remplacerai bien par ça. Genius!
Sonority. Eh bien, au moins, on connaît notre prochaine destination, apparemment. Il y a plein de dresseurs forts, c'est notre unique... c'est notre unique motivation pour aller là-bas, sur Phenacit. Eh bien, nos Pokémon ont l'air de s'amuser. C'est ça que j'aime bien aussi. Bon, malheureusement, on les voit pas derrière nous. Mais moi, j'aimerais bien un jeu Pokémon où vous êtes dresseur, certes, mais vous avez toujours vos Pokémon derrière vous. Un peu comme les Digimon World. Un peu. Enfin, le... j'ai joué qu'au premier et à... enfin, c'était pas un remake, c'était... Redigitized sur PSP. Moi, j'aimais bien ça. Du coup, on les a suivis, ils étaient particulièrement lents, on a eu le temps de faire un jeu Poké... On a eu le temps de faire un combat et d'arriver jusqu'ici, mais ils viennent à peine de sortir le sac. Sur le bec. Ah, c'est un Pokémon qui sait parler en réalité. Ce morveux, j'ai l'air d'un petit morveux. Je conduis une moto, bordel. Dans un jeu GTA, j'aurais peut-être une mitraillette sur moi. Tu me parles pas sur ce ton. Mec louche. Chuchemur et chuchemur. Me souviens pas des types des Pokémon non plus, donc ça va être pratique. Ah oui, je le dis, si vous êtes fan de Pokémon et que je fais des grosses gaffes, vous avez vraiment le droit de me cracher à la figure. Il faudra que je vérifie dans les... faudra que je vérifie, par exemple, là, par dans le menu, je peux aller sur le résumé des Pokémon et j'aurai le résumé des attaques. Parce qu'ils peuvent pas me le donner direct. Et j'avais pas souvenir qu'il y ait des concours dans ce jeu. Probablement, c'est pour les échanges sur les versions GBA. Enfin, pour l'instant, on va aller en mode FF dès le départ, donc c'est-à-dire attaque, 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 attaque. Bah, dès le départ, vous avez pas l'air d'être super doué. On est en god mode dès le départ, ça sera amusant ça. Ah! Toujours vivant. Écrase face, c'est tout ce que tu sais faire. Ouais, bah ça va être très facile. Oui, ça va être extrêmement facile. Je vais même utiliser une attaque normale, surtout pour une fois. Oh, et coup de main, allez. Ceci dit, ça dit que ça augmente l'attaque, mais je ne sais pas si ça augmente l'attaque spéciale ou l'attaque... l'attaque normale physique, spécifiquement. N'en ai aucune idée. Normalement, ça devrait être les deux, je pense. Wouh! On sait qu'on a utilisé plus notre Noctali que notre Mentali. Pourtant, moi, je préfère Mentali. Il est trop cool, il est trop mignon. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve super con au niveau des Evoli. Bah, Evoli, normalement, c'est 75% mâle, si je m'en souviens bien, ou 87,5 ou un truc du genre. Et puis ensuite, vous avez Nymphali, qui a l'air d'être totalement femelle et qui... Ouh, bah, qui peut être un mâle, bah, autant en pourcentage du temps, quoi. C'est comme Gardevoir aussi. Eh. Mais d'un côté, Gardevoir, c'était supposé être un... Je crois que de toute façon, le nom d'origine, c'est Sir Knight. Donc, Sir, Monsieur Chevalier, s'il vous plaît. Ce qui est assez amusant pour moi, parce que si vous faites une recherche de Gardevoir sur Google Images, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû s'en rendre compte. Je veux dire, pourquoi pas, le Pokémon a l'air d'une femelle, en apparence, mais ça a autant de chances d'être masculin. Au voleur. Ah oui, c'est celle dans le sac. Oui, je dis celle, parce que je sais qui est dans le sac. On est des kidnappeurs. Des molesteurs d'enfants. Parce que c'est clair que ce qu'il y a dedans, c'est une enfant. Vous allez le voir.
Nous, on bouge pas, on est là, coucou! On ne fait qu'assister à la scène! Eh, hey, venez nous aider, bordel! Ah, d'accord, je peux bouger! Je serais bien resté là, hein! Non! Laissez-moi partir! J'ai un job à faire! Écoute, tirer la corde de l'autre côté. Non! Oh là là, merde! Viper, Viper, Viper! En fait, le but de mon personnage, c'est d'être le plus gros connard du monde. La ville aux mille fontaines. Mensonge! Bon, il y en a peut-être une vingtaine, mais peut-être pas un millier. Oh merde! Vous pouvez pas vous en retirer tout le mérite à ma place, parce que là maintenant elle va vouloir me suivre. Oh joie. Bon, ça va être une insulte. Voilà. Je sais pas, peut-être parce qu'elle est rousse ou je sais pas trop. Parce que la pauvre ne mérite pas de... Enfin, la pauvre ondine de l'animé de Pokémon ne mérite pas ce genre de traitement. Des Pokémon bizarres. Au revoir le maire. Oh et puis merde. Viens avec moi merde. Fais chier. Je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que de mes Pokémon. Et moins utile qu'un Pokémon. Mais en fait, elle sera utile qu'à une seule chose, cette fille. Elle a poussé dans la fontaine. Merde. Arrête de bouger. Laisse-moi... Arg... Fuck you. Oui. Oui, j'aurais aimé faire ça. Malheureusement, je ne peux pas, je suis impuissant. Le PC, j'imagine que c'est le centre Pokémon. Pokémon Center. D'ailleurs, je me demande... Je me demande pour la prononciation en anglais pour Pokémon, parce qu'il y a l'accent français. Bon, l'accent français, entre guillemets, mais ils disent pas... Ils disent pas tous Pokémon, ils disent... Il y en a qui disent Pokémon ou Pokémon. Eh, on va pas leur dire de savoir, bien savoir de parler français dès le départ. Tiens, par ailleurs. Laisse-moi voir si j'ai des objets à retirer. Non, y a pas la sempiternelle potion à retirer ici. Non. Y a pas un Pokémon. Non. Non. Ça va être préparatif de passer ces Pokémon ici. Moi, j'aime pas les... Ah bah d'ailleurs, je vais sauvegarder. Ok, on voit mon nom. Wouh. Je vais soigner mes Pokémon. Wouh, c'est pratique, très rapide. Il n'y a pas d'infirmière Joël, il n'y a pas de civière non plus. C'est vraiment pas comme dans l'animé. Mais si tout devait être comme dans l'animé, on n'aurait pas eu les doubles combats. Car pour rappel... Le règlement de la Ligue Pokémon est clair, un seul Pokémon à la fois. C'était le bon temps. Un temps où on était super naïf. Et puis de toute façon, faut se dire un truc. Crachez sur l'animé Pokémon comme vous le voulez. De toute façon, moi, je m'en fiche un peu. Je regarde les Pokésins, ceci dit. Mais... Ah merde, ma... Ah...
fuck, mon stick il bug. Mais crachez comme vous voulez sur l'animé Pokémon, mais c'est probablement la première fois où on a eu des combats par équipe. Donc l'innovation ne venait pas de la génération 3, elle venait de l'animé. Hey, voilà, c'est bon, j'ai réglé le souci. Suffit de réinitialiser sa manette. Ouf. Va probablement falloir que je nettoie ce stick, mais il va falloir que je le dévisse. Ah, fuck. Bon, alors. On a des Pokémon d'assez haut niveau, alors prenons leur des super potions. On a quand même de l'équipement sur nous. On n'est pas totalement stupide. Ouais. Voyons voir ce qu'il y a en haut. Un autre shop, peut-être? Ouais, un autre. Pour attraper les Pokémon sauvages, il faut une Pokéball. Mais déjà, il faut des Pokémon sauvages. Ouais, c'est ça! Même si on a vu un Pokémon voler dans l'intro et je me rappelle plus ton nom. C'est pour ça que plus personne ne vend de Pokéball. Ah non, même pas ici, ok. Mais bon. Mais vous verrez qu'on pourra acheter quand même des Pokéballs. Peut-être un... Si je m'en rappelle bien, normalement oui. Peut-être un marché noir, mais bon, on pourra les acheter. Bon, ça c'est des astuces que tout le monde connaît. Fuck. Bon, personne n'a quelque chose d'intéressant à dire. Voyons voir... Bon, allons voir le maire. J'en ai marre d'attendre. Non, ça doit être la gym. Un centre de formation Pokémon. Wouh. Vous formez des dresseurs de Pokémon. Mais il n'y a pas de Pokéball. Ouh. Pour moi, cette coupe de cheveux, déjà, ça crie méchant. Pas au point de The Arc, mais peut-être au point Sephiroth. Il fait la quelle taille ce type? Nous on n'est pas un morveux, on conduit une moto quand même. On fait pas 1m40 que je sache. Ah d'accord, le maire habite carrément presque en dehors de la ville. Voyons voir. Charmante, charmante. Je l'ai vue. Mais quoi? Comme une machine de combat! Tu parles d'un Métalos là? Ah, par contre, l'aura nébuleuse un peu plus suspecte. Attaquer des êtres humains. Ouh! C'est terrible! Nous capturons des Pokémon dans notre monde! Ils n'ont pas le droit de se défendre et de tenter de. Bah. De se défendre en attaquant les humains. Ouais, ça, je me suis toujours demandé ça dans l'univers. Pourquoi les Pokémon n'ont pas le droit d'attaquer les humains, en fait? C'est pour ça, encore une fois, que l'anime est meilleur. Enfin, plus réaliste, dans un sens. Bah, ne devrais pas avoir à craindre des brutes comme de ce genre. C'est vrai que... Bon, c'est pas le 9-3. Peut-être justifier le fait qu'il donne ce conseil. Quoique, on sait jamais, on habite près du repère de la Team Snatch. Donc on sait pas ce qu'ils vont snatcher. Peut-être qu'ils vont snatcher autre chose que des Pokémon, si vous voyez ce que je veux dire. Notre merveilleux Colisée. Ah oui, c'est vrai que c'est le Colisée, il est tout en haut en fait. Et en parlant tout en haut, bon, voyons voir les news. Waouh. Ils ont pas inventé la HD en tout cas dans ce monde. Oh.
nous ferions parler aussi de la Team Snatch. Je viens de complètement gâcher le plot twist. Et j'ai le droit d'aller dans votre chambre? Ah, c'est un jeu Pokémon, c'est un RPG, on a le droit d'aller dans la chambre de n'importe qui. Oh, vous êtes mignon, vous. Quoi? C'était pas un sarcasme? Je veux dire, oh, vous êtes mignon, vous allez dans la chambre du maire comme si c'était bah, la déchetterie. Ah d'accord, il n'y a pas de deuxième dialogue. Bah, on a hier et hop, on danse. En tout cas, c'est bien qu'ils aient inclus ça, sinon imaginez le nombre de fois qu'on serait bloqué. Vous savez ce qui aurait été mieux aussi? Qu'on n'ait pas cette putain de cuculapraline derrière nous. Tentons de la bloquer là. Je vais tenter de la bloquer. Oui, j'ai réussi. Allez, la cuculapraline, la putain de cruchasse. Tu ne seras plus une épine dans mon pied. Maintenant, je peux me diriger vers le Colisée sans avoir à m'inquiéter d'avoir... de t'avoir dans mes pattes. Ouf. Pas loin ce type d'abord. Vous êtes au courant, non? Bon. Ok. You're too slow. Non. Ah merde quoi. Eh ben merde. Ah ouais, en fait, Mille Fontaines, ils avaient peut-être pas tort ici. C'est à se demander... Bon, il doit y avoir des régulations, mais... Il doit y avoir un règlement. Mais... Moi, je me mènerais carrément dans cette eau. Oh, donc, en fait, c'est juste une... C'était... Wow. Donnez une technique à votre Pokémon. Moi, je suis là que pour la monise. Eh bah ben, vous savez pas ce que c'est que le pragmatisme, sérieusement? Je vois un peu à Mass Effect, merde. Enfin, le pragmatisme, c'est pas ça en réalité, mais en vrai terme, mais bon. Appelez-moi Renegade, au pire. C'est meilleur la Team Snatch. Il a des Pokémon de niveau 25 et 26. C'est peut-être pour ça que vous avez échoué, les gens. Ce qui est con en plus, c'est que le boss, il a, bah, le boss de la Team Snatch, il a des Pokémon genre de niveau 40 ou 50 si je m'en souviens bien. Est-ce que ça va mettre non, non, non? Je vais mettre non. Ah, fuck. Je peux pas dire ce que je veux en fait, ce sont des faux choix. Donc c'est cette nature permettre de récupérer les Pokémon qui appartiennent aux dresseurs. J'ai pas le droit de faire un Palkia Punch, merde. Alors c'est parti. Allons tuer Rob Schneider avec son écrapince et son logo. Bon, je connais plus ma table des types, donc si je tente d'en tuer, si je les tue et que j'ai pas que je ne puisse pas les capturer, bah ça va être un gros problème. Il va falloir que je révise ma table des types. Merde. Donc ouais, j'ai pas de Pokéball sur moi. Merde. C'est pas possible. Donc je pourrais pas. De toute façon, je pourrais pas en capturer, mais il faut qu'il soit d'un certain type, on va dire, pour que je puisse les capturer. Sinon, ça n'accepte pas. Attends, je crois que force cachée, ça... Non, ça fait pas sur les deux Pokémon à la fois. J'ai plus peur du Smogoblet que de l'écran, hein, personnellement. Je sais pas.
et j'avais oublié que psy c'était supérieur à poison. Encore! J'ai pas fumé de voir, je suis désolé les gens. Écume. Bon, c'est pas ça qui va me tuer. Ouais, vous voyez pourquoi en fait je suis le meilleur de leur équipe? Parce que bah, forcément, vous leur, apprendre des attaques qui sont vraiment super pathétiques. Retour, c'est au niveau de l'amitié qu'a le Pokémon avec son dresseur. Voyons voir. Ouh! Le pouvoir de l'amour va te tuer! Ce qui indique vraiment que, vu que Mentali a cette attaque, c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Bah, visiblement non. Tu as dit toi-même que j'étais le meilleur de l'équipe. Vous avez deux Pokémon. Vous êtes trois, vous avez deux Pokémon. Non. Elle se fiche de moi. Oh, c'est mignon. Le prince qui m'a sorti de cette épineuse situation. Je serais le prince qui te balancerait du pont et qui va te faire noyer, surtout si tu continues comme ça. Mais... Oui, voilà. Et si on allait acheter des Pokéballs? On a eu une conversation tout à l'heure qui disait... Ouais, bah... Ils vendent plus des Pokéballs. T'étais pas là avec moi? On va aller voir. Alors, on sait pas si elle connaît un secret ou si elle est vraiment super conne. Alors, probablement super conne. Ou alors, ça est vraiment sur un marché noir. Ah, ça doit être sur un marché noir. Hein. Ils n'en vendent pas des Pokéballs, hein, ma vieille. Ah, à la station service. D'accord. Donc c'est un peu comme hein, un marché noir. On va devoir aller sur la station service de tout à l'heure pour acheter des Pokéballs. Yay! Eh, mais elle a pris la place de mes Pokémon! N'as-tu pas honte, Ondine? Je me faisais du souci. Tu m'as massacré, mais je me faisais du souci pour toi. Oh là là, quel plot twist. Le sarcasme maximum dans ce let's play, c'est incroyable. Alors, vieux, est-ce que tu as des Pokéballs à me vendre? C'est cadeau. Wow. 5 quand même. Donc, tu as combien de... Ah oui, attendez, combien de Pokéballs je peux acheter? Ouais, donc je peux acheter... Donc tout son stock en fait... Et il y a genre 43, minimum 43 Pokéballs dans dans sa petite étagère. Dans son petit placard. Ouais, bah... Ok. Je vais en prendre une quinzaine parce qu'on sait jamais. Puis ça coûte pas cher là. Honor Ball. Il y a vraiment des Pokémon à ne plus savoir qu'en foutre. Je vais en prendre 5, super. Et je pense que c'est tout. Le mec il va mettre tout son argent dans les Pokéballs. Laisse-moi voir ce qu'est la Honor Ball. Honor Ball. Une balle rare qui est à l'occasion d'un grand événement. Un grand événement?
Ça ne dit pas si c'est plus efficace. Peut-être que j'arriverai mieux à capturer lors d'un colisée. Enfin bon, on a récupéré des Pokéballs. Maintenant quoi? Probablement retourner sur Phénacie. Effectivement. Ils étaient ici, mais est-ce qu'ils sont encore ici? Oh, c'est la panique générale! Mais là, il se passe rien! Bon, je vais aller voir sur le... Ah bah non, peut-être voir à la maison du maire. Y'a que des combats Pokémon au Colisée, forcément. Attendez. Voilà. Ah! C'est donc le fils de Indiana Jones et la boule qui lui roule dessus dans les aventuriers de l'Arche perdue? Ça me paraît logique. Je t'ai rien dit. D'ailleurs, je peux rien dire. Putain, ils sont habillés comme des Power Rangers à gauche. Yeah! Let's groove dance! Oh merde, cette démarche. Bonjour. Gangsta! Non. Wow, la salle s'est agrandie. D'ailleurs, c'est pas un escalier ce qu'il y avait derrière lui là. Non, c'est pas un escalier. C'est juste un motif sur le mur. Très bien. Bah, pour l'instant, ça va être un combat tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous laisse deviner comment ça s'est terminé. God mode, je vous dis. Mais pas besoin de vous montrer le combat. Disons que le début du jeu est réellement super facile. Wow, ah, leur animation. Kalinox et Mimigal. Je peux pas les renommer, sérieusement, ce serait beaucoup plus mignon. Ah fuck, toujours pas de Pokémon à capturer. Quoique. Attendez. On va mordre le petit insecte et. Je pense que ça va être super efficace sur lui. Non, même pas, fuck. Faudrait que j'arrête de penser que le type psy c'est. C'est super efficace surtout. Oh bordel, quand c'est pas un coup, quand c'est pas un one shot, c'est un coup critique. Makugita. Si je m'en souviens bien, bon déjà en voyant le Pokémon, je me dis qu'il a une bonne défense. Effectivement, un Pokémon obscur. Ah! Il va falloir le voler.
Ouf. Bon, déjà, on va s'occuper de ce Skelenox. Mentally, attends une minute. Mentally, tu vas faire coup de main. Je sais que c'est con, je voulais faire retour à la base sur Maguita, mais ouais, je pense que c'est une mauvaise idée en fait de faire ça. Mais c'est super efficace. Ça c'est normal ou c'est physique? C'est... Oh merde! Je vais quand même pas mourir maintenant, oh merde! Déjà, je vais prendre une potion. Attends, j'ai pas une super potion. Putain, c'est pas vrai! Non, c'est vraiment pas parti! C'est vraiment mal parti! Il va me faire un coup critique tout le temps, merde! Voilà, c'est déjà mieux. Alors, je vais tenter de l'attaquer. J'aurais peut-être dû mettre protection à la base. Charge noire. Ouf. Je vais re-soigner encore. Ah, il se blesse. Pas beaucoup, mais il se blesse. Je triche en utilisant toutes ces super potions, en fait. Ça t'apprendra, Noctalia, de prendre un coup critique en super efficace. Puissance. Ok, non, ça c'est pas bon. Alors, maintenant, je vais faire en sorte... Bon, si t'es un type... Si t'es un type combat, ça veut dire que si je fous un choc mental, tu vas crever rapidement. Et moi, je tiens à te capturer. Voilà, c'est mieux. Je crois que puissance, ça marche que pour le deuxième coup. Pas. Un Maguita femelle en plus, on dirait pas. Hein. Ouh. Alors maintenant, ensuite je vais utiliser une Super Ball. Allez, ouh, il rate. Tant mieux. C'est parti. Yay, on a volé un Pokémon. Ça va complètement à l'encontre de notre morale d'imiter les méchants. D'autant plus qu'on les a un peu lâchés en cours de route. Mais bon, ce sont des vilains. Ce sont des vilains méchants. Ils n'ont pas le droit à ma sympathie. You get no sympathy from me. Mon fils. Bravo, Viper. Tu viens de commettre un crime. Oh, c'est quoi cette animation en plus, Ondine? Fais ça encore 500 fois et je suis à peu près sûr que tu vas trébucher devant. D'ailleurs, si tu fais ça 500 fois, j'aurai 10 000 fois le temps de m'enfuir. Bon, le maire est plus là. Ça veut dire qu'il va falloir le libérer de la... Oh merde, il garde vraiment la ville. Il est sorti, mais il est où? Il a filé à la Pokémonaise. Je sais pas, à la Kanto, tiens, on va dire que... Kanto pour nous, c'est en Angleterre. Johto, ce serait la France. Et chez eux, ils diraient filé à la Johtoise.
parce que c'est le cas chez nous. Nous, on dit filet à l'anglaise, mais chez les Anglais, ils disent filet à la française. Ou c'était... je crois que c'était filet à la française en anglais. Il va falloir que je revérifie, d'ailleurs. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes... Ouais, c'est pour le combat multi, c'est ça. Enfin bon, on a attrapé un Makuhita. Des Pikachu. Mais... est-ce qu'il est bien? Voyons voir ça. Il est niveau 30, j'ai pu voir. Il est toujours obscur, sa confusion s'est complètement fermé. Cran, augmente l'attaque quand il est blessé. Oh, c'est pas mal ça. Putain, mais il avait vraiment pas beaucoup de défense en fait. Je pensais qu'il en avait plus, mais bon. Il a même plus de défense spéciale que de la défense, donc avec... il aurait peut-être pu résister à un choc mental. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai que la charge noire? Il a pu utiliser d'autres attaques dans mon combat, je le sais. Une attaque très violente qui blesse aussi le lanceur. A savoir que les attaques dites obscures sont super efficaces contre les Pokémon non obscurs. Enfin, ça montre ça, mais en fait, c'est pas très très évident parce que... En général, leurs attaques me paraissent plus... elles me paraissent juste être normales, avoir un effet normal plutôt que d'être super efficace. Ouais, Noctali a une très bonne défense, une très bonne défense spéciale, mais il s'est fait one shot d'un coup. Ouais. ça c'est bien ça, synchro. Nature assurée. Nature discrète. Je connais même pas sa nature à l'autre. Quoique j'avais oublié aussi que mon attaque normale est moins bonne que mon attaque spéciale. Avec lui non. Ouais. Avec le choc mental j'aurais peut-être pu. Mais retour ça se base uniquement sur l'amitié. D'ailleurs je connais pas mon taux d'amitié avec toi Ventani. Normalement on serait super meilleurs amis du monde. En tout cas bien plus qu'avec cette cruchasse derrière moi. Mais ça me dit toujours pas. Ça me dit toujours rien. Alors toi. Mon auguste personne. Allez, Power Rangers, je vais te démolir. Ou Macronium. Direct un Pokémon qui est deux fois évolué. Là, je commence à être un tout petit peu en sous-niveau. Ah, il me le faut! Alors, on va voir, c'est un type... Bon, le type poison, je vais l'avoir avec... je vais l'avoir avec... Ventani. Avec un peu de chance, je vais peut-être foutre la trouille à Macronium. Spoink. Et en plus, il a vraiment beaucoup moins de niveau. Aïe! Ouah, c'est bon. Macronium, j'en ai aucune idée de sa défense par contre. De toute façon, j'ai aucune idée des stats des Pokémon en général. Je ne suis pas les chartes de statistiques. Ah merde! Bon, le spoink, je m'attends pas à ce qu'il fasse beaucoup de dégâts. Coup de main. Empêchons-le d'attaquer. Ah, c'est vrai que Macronium est plus rapide. Ah, what? Oh, fuck. Si, même s'il a la trouille, ça ne changera pas grand-chose. Victime de la tourmente. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça ne dit rien qui vaille. Ouais, je vous fous de morsure sur Mentalism. Retour sur Macronium.
toute petite attaque et je lancerai une Super Ball. Quoi, attends. J'avais, je m'en étais pas rendu compte tout à l'heure, mais étrangère, ça tourne sur les deux en plus. Vague psy. Oh, aïe. Ok, non, c'est pas sur Pokémon que je croyais. La tourmente empêche d'utiliser une capacité deux fois de suite. Ah, d'accord. Vous savez quoi? Plutôt changer de Pokémon. Oh, waouh! Ça fait mal! Déjà un spunk en moins. Le souci, c'est que Meganium. Enfin, Meganium. Macronium. Est plus rapide que nous deux. Donc, il va y en avoir un qui va crever là. C'est force cachée. Attendez. J'espère que ça va pas faire trop mal. Tranche herbe. Ça devrait pas trop faire mal à Makuhita. Si en fait. J'espère que provoque ça va fonctionner sur le prochain tour aussi. Merci. C'est nerveux, rentre en mode hyper. Oh. J'espère qu'il va pas trop faire mal Macronium. D'ailleurs, je vais lancer une Pokéball là, maintenant. Ce serait plus facile. Et quand il rentre en mode hyper, il ne. J'ai l'impression que son icône a changé aussi. Prends une super potion, mon vieux. Je sais que t'aimes ça. Ah, ça va, en plus il fait saliva le con, la conne. D'accord, bon bah attaque hein. Allez. Oui. Yay. Ah, m'en faire de ce mode hyper. De 900 Pokédollars parce que la monnaie est la même dans ce trou perdu que dans Kanto, Owen, etc. Artificiellement fermé. Si ça me le sort, reviens là. Il va falloir aller à Pyrit pour pouvoir démanteler cette organisation. Même si bon, je pense qu'il va falloir attendre encore une vingtaine d'heures avant que ça n'arrive réellement. Y'a personne à cette entrée? Ça veut dire qu'on aurait pu sortir d'ici. Sors de mon chemin. On aurait pu sortir de là à partir d'en bas, sur le sud. Mais bon, pas grave. Je pense surtout que je vais m'arrêter là. Pour le coup, en fait, j'ai pas trop aimé XD. Bon, j'ai pas trop aimé. De mes souvenirs, j'ai pas trouvé ça super fou. Probablement parce que bon, le protagoniste n'est pas aussi cool, ou la soundtrack n'est pas aussi bien, ou je sais pas. Il y avait peut-être une aura dans Colosseum qui n'était pas là dans XD, ou peut-être que c'est moi qui est juste super con. Mais bon. Dans ce cas, je verrai ça alors que je progresserai dans Colosseum. Et pour l'instant, eh bien, je vais aller à Pyrit et vous laisser ici. C'est Vic Viper. Et je vous retrouve dans le prochain épisode de Chantier de Construction. C'est pas ça normalement. Enfin bref, c'était Vic Viper. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Pokémon Colosseum. Au revoir.